Ça a été créé en 1982 à l'initiative de femmes d'origine africaine subsaharienne, de femmes d'origine occidentale. L'idée étant de faire de l'information et de la prévention directement auprès des populations concernées, parce qu'au début des années 80, quatre petites filles sont décédées des suites de leur excision sur le territoire français, et qu'il est apparu aux fondatrices de l'association qu'il fallait impérativement en discuter, dialoguer avec les familles pour empêcher que ça se reproduise. Alors nous, il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle sensibilisation des populations directement concernées, donc aussi bien les adultes que les plus jeunes, notamment en milieu scolaire. La partie formation initiale et continue des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Et puis le volet centre de documentation. On essaie de recueillir toujours des informations les plus pertinentes et les plus récentes par rapport aux thématiques qui sont les nôtres, plutôt les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. On a actuellement 6 régions de France sur lesquelles nous intervenons de façon plus privilégiée, avec des antennes régionales dites GAMS. Alors, nos antennes régionales, celles qui sont autonomes, fonctionnent un peu comme la nationale, c'est-à-dire qu'elles proposent à la fois des sensibilisations en direction du public concerné, des formations initiales et continues des professionnels, puis en formation continue, alors en lien soit avec les chargés de mission départementale pour les femmes, soit avec les conseils généraux, soit avec les municipalités. Et puis il y a des régions, je pense notamment à Poitou-Charentes, Pays de la Loire, où il ne nous a pas paru pertinent de créer un GAMS, puisqu'il y avait déjà des associations locales qui faisaient un travail de sensibilisation, d'information sur le terrain. Donc là, on intervient plus simplement en conseil technique. Nous, ça se passe notamment par l'intermédiaire des professionnels de santé ou médico-sociaux. Donc, c'est notamment les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d'éducation familiale, éventuellement les relais dans le milieu scolaire, infirmière scolaire, médecin scolaire, assistante sociale, assistante de service social, ou alors des associations de travailleurs migrants ou des maisons de quartier, centres sociaux. Parce qu'on a un départ, un danger imminent, c'est-à-dire un départ au pays imminent, qu'on a essayé de dialoguer avec la famille, qu'on s'aperçoit que la famille n'est pas en capacité de protéger cette petite fille durant son séjour dans le pays d'origine. Donc là, c'est à nous d'intervenir et d'obtenir. On empêche très rarement le départ des enfants, mais en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rappel à la loi qui est fait. Donc l'enfant va être examiné avant le départ et l'enfant va être examiné au retour. Et en général, ça suffit à protéger les enfants. Depuis 2001, la France reconnaît la possibilité aux hommes et aux femmes souhaitant protéger leur enfant de l'excision d'obtenir le cas échéant la possibilité d'obtenir soit l'asile conventionnel, soit la protection subsidiaire.
On n'a toujours pas de loi spécifique qui condamne les mutilations sexuelles féminines en France. On a une loi qui condamne contre toute forme de mutilation. Mais par contre, depuis la loi du 4 avril 2006, ce qui a changé, c'est que les victimes peuvent porter plainte jusqu'à 28 ans après leur majorité. Et surtout, il n'y a plus de conditions de nationalité française. On est cofondateur du comité interafricain qui a été créé, le CIF a été créé à Dakar en 1984. Nous, notre idée, c'était les migrants qui sont ici en Europe sont influencés par ce qui se passe dans les pays d'origine et dans les pays d'origine, on est influencé par ce qui se passe en Europe. On a commencé il y a une trentaine d'années, c'est que maintenant il y a de plus en plus de mouvements qui sont en faveur de l'abandon de l'excision. On n'est pas encore à une génération, donc il faut être assez prudent sur nos résultats et sur la montée des intégrismes qui peuvent se faire un peu partout en ce moment et qui peuvent être des forces conservatrices et donc malheureusement poursuivre la pratique de l'excision. Mais d'un autre côté, il y a aussi des forces plutôt qui appartiennent à la jeunesse qui seraient plutôt à vouloir modifier l'état des choses. Et je pense que ça se voit dans les pays d'origine. Globalement, il y a quand même des avancées plus que des reculs, en tout cas pour le moment. Je suis directrice adjointe à l'hôpital de Saint-Denis, qui a notamment comme particularité d'avoir une maternité et un service de gynéco important. Le pôle mère-enfant est classé niveau 3, donc nous accueillons les pathologies les plus lourdes. Les professionnels de ce pôle et de ce service ont donc fait le constat que certaines questions un peu spécifiques se posaient, notamment celles de femmes qui ont subi des mutilations sexuelles. De mémoire, je crois que c'est 30% des femmes qui accouchent à l'hôpital de Saint-Denis qui sont concernées par ce sujet. Et donc ces professionnels se sont rapprochés évidemment d'équipes qui, grâce à des techniques médicales qui sont finalement assez récentes, ont la possibilité de proposer un geste chirurgical comme réponse à ces difficultés avec des chirurgies de réparation. L'activité la plus médiatisée grâce aux travaux du docteur Feldès est celle de la réparation chirurgicale. Mais pour nous tous, il était évident que c'était une des propositions thérapeutiques et pas la seule. Et que ces femmes-là avaient parfois besoin d'être réparées, mais parfois besoin d'être entendues, d'être comprises, d'être accompagnées. Qu'elles avaient parfois des problématiques douloureuses, des problématiques sexuelles, des problématiques psychiques. Et partant de là, on s'est dit qu'il fallait mettre autour de ces femmes tout un tas d'acteurs de santé qui pouvaient répondre à leurs besoins. Et puis pour finir, on met en place quelque chose auquel on croit beaucoup, qui est les groupes de parole. Parce que beaucoup de femmes peuvent avoir envie de venir échanger avec d'autres sans vraiment consulter, aller voir un médecin. La technique de M. Feldès, c'est en fait de ressortir le clitoris qui est enfoui. Ce qui fait que comme le clitoris est en fait un organe assez long et qu'on en voit dépasser qu'un petit bout, il reste une longue portion de clitoris qui va profondément. Et donc en fait, sa technique consiste à enlever tous les tissus fibreux qui se sont mis du fait de la cicatrisation par-dessus, donc le libérer. Et on voit très très bien quand on assiste à une de ses interventions, parce qu'il a une maîtrise évidemment exceptionnelle du geste, qu'en libérant toutes ces fibres, le clitoris revient à la surface. Il y a plusieurs points positifs, je pense. Le premier est cette idée de réparation, qui clairement revient. C'est-à-dire, voilà, on m'a fait un truc, on m'a pas demandé mon avis, et je ne suis pas d'accord. Après, il y a toute la partie douleur. Celles qui ont des douleurs du fait de cette fibrose ont un bénéfice physique. Celles qui n'avaient pas d'orgasme et qui en récupèrent, alors c'est pas 100%, mais là aussi, elles ont...
amélioration de leur santé sexuelle qui n'est pas négligeable. C'est également la protection des personnes vulnérables, où il y a une suspicion de future intervention ou qui ont déjà subi une mutilation sexuelle. Ici, on est dans le cadre de la protection de l'enfance. On peut être amené à faire un signalement auprès de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et on est très dans l'ambivalence de savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour la jeune fille. Et c'est ça qui est le plus complexe. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'orientation vers l'aspect accompagnement social et médical vers le GAMS et l'aspect aussi juridique vers le CAMS qui peut aussi nous donner des infos techniques par rapport aux demandeurs d'asile. Il se fait vraiment plus au moment de la grossesse ou à l'accouchement si ça n'a pas été dépisté avant. Et ces patientes qui vont être revues après au cours de la grossesse et au moment de l'accouchement, on va essayer à ce moment-là de leur faire prendre conscience de ce qu'elles présentent et d'une possible prise en charge à ce moment-là, au moins d'un espace où elles peuvent en parler sans forcément de prise de décision. Direct. Et finalement, à la réaction des femmes, on se rend compte qu'elles avaient juste besoin qu'on leur tende la main pour en prendre conscience et pour se dire ce qu'on m'a fait c'est définitif, mais la façon dont je le vis, ça ne l'est pas forcément. Elles n'ont pas forcément toute une demande de réparation chirurgicale, mais parfois ça peut être une rencontre avec une sage-femme pour une discussion de leur vécu. Une demande peut-être que ce soit sexologique ou psychologique ou les deux. J'ai eu aucune formation à ce niveau-là, donc du coup moi, c'est quelque chose auquel je m'étais intéressée déjà pendant mes études. Mais par exemple, moi j'avais voulu faire mon mémoire dessus, on me l'avait refusé.